Alors c'est officiel, le fameux film sur la F1 va se faire, et ça sera avec Brad Pitt. Et du coup, Hamilton sera producteur. Ce sera le réalisateur de Top Gun Maverick, qui a l'air très bien comme film, qui sera aux commandes, donc ça peut être pas mal. Le nouveau film sur la F1 se précise, Apple a confirmé avoir acheté les droits de ce nouveau projet qui amènera la Formule 1 sur grand écran. Après Grand Prix en 1966 et Rush en 2013, qui retraçait la lutte entre Lauda et James Hunt, c'est donc un nouveau film qui se prépare. Sur la catégorie reine du sport auto. Lewis Hamilton fera partie des producteurs du film, et il est probable que le septuple champion du monde joue aussi le rôle de conseiller. Il s'associera à Jerry Bruckheimer, qui avait notamment produit le film Jour de tonnerre sur la NASCAR au début des années 90. La liste des producteurs comportera aussi un associé de Bruckheimer, Chad Oman, ainsi que la société Plan B Entertainment et Joseph Kosinski. Ce dernier sera le réalisateur du film, un nom qui est actuellement sous le feu des projecteurs suite au succès critique de Top Gun Maverick. Qui est très bien noté. Je l'ai pas vu, mais je le verrai sûrement bientôt. Il y a Jurassic World 3 à voir aussi, que j'attends beaucoup. Enfin, Brad Pitt interprétera le rôle principal du film. Il campera un ancien pilote qui sort de sa retraite pour courir aux côtés d'un pilote débutant. Un synopsis qui n'est pas sans rappeler Driven. Ah oui, c'est exactement ça. Hein. Le film sur le kart, anciennement IndyCar, qui devait initialement se dérouler dans le paddock de la F1. Cependant, le projet d'Apple, Bruckheimer Hamilton, semble plus sérieux que celui de Sylvester Stallone. Au début des années 2000. Apple a d'ailleurs battu de nombreux candidats à l'obtention des droits, dont Amazon, Disney, Netflix, mais aussi MGM, Paramount, Sony et Universal. Bon, bah écoutez, reste à voir qui seront les autres acteurs. Bon, Brad Pitt à la tête d'affiche, l'ancien pilote, Brad Pitt donc, de la Formule 1. Est-ce qu'on aura une petite apparition d'Hamilton dans ce film, ou est-ce qu'il sera juste producteur? On verra ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sûrement une sortie l'année prochaine, du coup. Ciao.